Il ne sait pas être chirurgien. Donc, il est obligé de s'attacher les services d'un spécialiste. Et ce spécialiste fait son travail, il fait le rapport qui permet au juge de trancher, de délibérer, de prendre une décision. Donc, au niveau de la sorcellerie, on aurait souhaité qu'il y ait un jury spécialisé. De telle sorte que, quand il s'agit des cas des sorcellerie, comme on règle aujourd'hui les problèmes au niveau de la, des assises, n'est-ce pas? On ouvre une rubrique spéciale sur les assises, où on a des jurés, il faudrait que ça soit ainsi au niveau des crimes spirituels, pour que des voyants, des prophètes puissent détecter ces gens-là, faire des rapports qu'ils doivent donner au juge pour pouvoir trancher. Donc c'est un peu cet aspect-là que je voulais. Merci. Je vais répondre à la question. Adam, viens. Ici, là, ici, là, c'est plus pratique. Pas une question de chercher loin. On va chercher loin. Je vais revenir sur le phénomène. En fait, c'est ce qu'on croyait auparavant. C'est vrai ce que je dis. Parce que lui ne fait que rapporter ce qu'il voit. Nous sommes dedans. Ce jeune homme-là, tu as été sorcier. Il a pratiqué la sorcellerie. Et ses parents ont décidé de le laisser. Il y avait un canari mystique chez eux. C'est moi qui ai tous les canaris mystiques. Son papa a été programmé l'année dernière. Et il a été délivré en mes mains.